Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui du cylindre K-Tech Entra Plus, un haut de gamme de chez Vinkhaus, hyper personnalisable pour tout ouvrir avec une seule clé dans le résidentiel et doté d'une protection par carte de propriété. Merci à Vinkhaus pour l'envoi de cet échantillon. Je n'ai pas la carte de propriété mais elle ressemble à ça et une seule clé au lieu des trois habituelles. Donc si je vous dis qu'il est débrouillable sans priorité de sens, il faudra me croire. Vous l'aurez compris, si une clé est enfoncée de n'importe quel côté, une clé de l'autre côté pourra toujours permettre l'ouverture du cylindre. Une fonction secours bien utile qui n'impose aucun sens de pose. Dès la prise en main, ce cylindre en impose par sa qualité de fabrication et sa finition satinée du plus bel effet. La marque nous a habitués à ces jolis panetons nickelés, un truc qui ne se verra jamais une fois monté dans une serrure, mais qui fait son petit effet. La face avant est intéressante car l'entrée de clé horizontale est couplée à un canal vertical, le tout formant une croix qui le différencie au premier coup d'œil. Et puisqu'on parle d'esthétique et de look, on ne peut qu'admirer cette clé au design très réussi. Suivez ce détail qui paraît au départ uniquement décoratif mais qui se prolonge et crée une surépaisseur au niveau des tailles. Ainsi, vu de profil, on voit un net dépassement. Une façon d'épaissir la clé là où on en a besoin tout en conservant une clé légère et compacte. C'est très bien pensé. La garde est très fine et longue pour être compatible avec toutes les garnitures de sécurité et elles sont en maille short bien solides. La facilité d'insertion est paraît-il étudiée pour être aisée mais de mon point de vue, on est dans la moyenne ni plus ni moins. À l'enfoncement, elle trouve très facilement sa place et à la rotation, il n'y a absolument aucun frottement parasite. D'un point de vue technique, nous avons là 6 goupilles et contre-goupilles bien travaillées avec une belle diversité de formes. C'est toujours plus compliqué à crocheter quand les sensations sont différentes d'un endroit à un autre. S'y ajoute le dispositif AZ2 qui fait de ce modèle Entra une version plus, ce n'est pas une révolution mais un élément technique breveté, tout comme la goupille d'interrogation de profil en rouge, peuvent s'y ajouter jusqu'à 14 goupilles de contrôle sur deux axes. L'anti-perçage est assuré par une première paire de goupilles en acier renforcé. Sachez qu'une version anti-arrachement est disponible avec un renfort qui paraît bien dimensionné et convaincant. Sa longueur standard commence à 30,7 mm mais il existe une version courte à 28,2 mm. A partir de ça, comme tout cylindre Vinkhaus, il existe toutes les tailles dont on peut avoir besoin et il est également disponible doté d'un bouton ou en version cadenas. Il est distribué par tous les quincailliers habituels qui se tourneront directement vers Vinkhaus pour la fabrication et les réapprovisionnements de clés ou d'extensions. Alors mon avis sur ce modèle, c'est un cylindre de très haute qualité de fabrication qui inspire vraiment confiance. Je suis un fidèle de la marque et je n'ai jamais eu de soucis dessus. Cette version d'après Vinkhaus est pensée pour le résidentiel, mais je ne vois pas ce qui empêcherait de le mettre dans des locaux professionnels, si ce n'est qu'ils ont des gammes spécifiques pour ça. Je rappelle que ce sont de grands spécialistes du contrôle d'accès, électronique et mécatronique. Les tarifs sont tout à fait corrects et permettent de faire de belles installations sur mesure haut de gamme. Je suis un tout petit peu en retrait sur les systèmes K-Tech et AZ2 qui sont finalement assez simples, mais qui sont toujours des éléments bloquants. Et ma foi, plus il y en a, mieux c'est. Et ils permettent d'assurer une protection contre la copie grâce à leur brevet. La protection anti-perçage paraît simple, mais elle doit être efficace puisque ce cylindre a obtenu la note parfaite de 3 étoiles par l'organisme néerlandais SKG qui fait référence en Europe. Bref, un joli cylindre qui mériterait d'être mieux visible dans les catalogues de nos fournisseurs, car actuellement, si on le veut, c'est qu'on a su le trouver par soi-même. C'est en tout cas une belle démonstration de savoir-faire de la marque allemande. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, mettez un commentaire et surtout abonnez-vous. A bientôt !